Je t'explique pourquoi le réchauffement de la Méditerranée pourrait accentuer les phénomènes météo extrêmes. Le 24 juillet 2022, la bouée au large d'Alistro en Corse a enregistré une température de 30,7 degrés. C'est presque la température d'un jacuzzi. Et c'est surtout 4 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Mais voilà le problème. Plus l'eau est chaude, plus il y a d'évaporation et plus il y a d'eau disponible dans l'atmosphère. Et en automne, l'air en altitude se refroidit. Et si cet air froid vient survoler cet air chaud et humide, des nuages se forment. Plus la différence de température entre le sol et la haute atmosphère sera importante, plus les nuages seront énormes et plus les phénomènes météo associés seront violents. Alors deux conséquences. La formation d'épisodes cévenols ou méditerranéens. Si ces nuages sont poussés par le vent vers les montagnes, ils pourraient rester bloqués, faire du surplace et les précipitations pourraient être très intenses. Il y a aussi la formation de Medicane. C'est une tempête de courte durée et comme son nom l'indique, elle se forme en Méditerranée. Mais alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va connaître ces phénomènes l'automne prochain. C'est vrai, la mer plus chaude que la normale est un carburant, mais c'est bien la situation météorologique qui en est le moteur. La position des anticyclones ou des dépressions par exemple. Et il est impossible à l'heure actuelle de prévoir si les conditions atmosphériques seront propices à la formation de tels événements.